Salut tout le monde et bienvenue dans la suite de Project Zero. Bon, la dernière vidéo, on a fini avec très peu de soins et des munitions un peu gaspillées. Donc du coup, j'avais dit que dans cette vidéo, je me consacrerai exclusivement, enfin majoritairement, à la recherche de soins, d'items divers et variés. Et ben c'est parti. Alors, on va commencer par ce couloir. Car je suis sûr qu'il y a des choses à nous raconter. Des items, là, je vois un item. Il y en a un ici. Il y aura en pierre. Oh putain, ça merci. Oh merci. J'en avais grièvement besoin. Oh merci, ça fait du bien. Bon. Ici. Qu'avons-nous? Ça commence bien. Ça commence très bien. Qui c'est? Ok. Je me souviens pas de toi. Alors pas du tout. On l'a déjà affronté celle-là? Ou bien c'est une première fois. Voilà. Je ne prends pas de risque, je ne prends plus de risque maintenant, tant que je n'aurai pas un certain nombre d'items. Ok. 32 000. Oh. Wow. Ok. Fallait 36 000. J'avais atteint 4 000 en plus. Ok. C'est noté. Alors, qu'avons-nous ici? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Non, ça c'est verrouillé de toute façon, je sais très bien. Ça, il nous faut un item. Ok. Allez, s'il te plaît, sors. Sors. Bon. Ah, je vous ai dit dans la vidéo précédente qu'on va aller croiser quelques fantômes assez aléatoires. Pas les principaux. Y'a rien, sérieux? Pouh. C'est nul. Ok. Alors ici. Qu'avons-nous là? Qu'avons-nous ici? Rien. Rien de rien. Non, il y a vraiment rien, sérieux. Men... Ah, une chose qui brille là-dessous. Pierre spirituelle. C'est bon, ça me va. C'est parfait. Je me refais en tout. Pierre spirituelle. Plante médicinale. Eau sacrée. Il me faut tout. Plante médicinale, c'est parfait. C'est nickel. J'accumule. Je prends... On réfléchira après. Ici. Alors il me semble pas qu'il y ait beaucoup de pièces verrouillées dans ce chapitre. Normalement on a accès à toutes les pièces. Donc sincèrement, si on y a accès, autant en profiter. Wait. Wow. Alors, soit j'ai un très mauvais souvenir des précédentes vidéos, soit les meubles ont changé. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé dans cette pièce. Est-ce moi ou bien c'est... Non, franchement, ça doit être moi. Ça fait plusieurs semaines que j'ai pas tourné de vidéo. Donc cela ne m'étonnerait pas que j'hallucine un tout petit peu. Alors, par contre, je vais essayer de faire un truc. Ouais, je vais sauvegarder ici. Parce que honnêtement, 3 fentes de sauvegarde, c'est pas suffisant. Ok. Alors, on va aller ici. Mais je pense sincèrement qu'on va avoir de la compagnie. N'est-ce pas? Allez, je suis sûr qu'une fois que j'aurai passé le coin de mur, il y aura au moins un fantôme. Au moins un.
Même pas? Vous êtes pas drôle. D'ailleurs, ça m'étonne que cette porte soit condamnée. Parce qu'il me semble qu'on va l'utiliser. Ah, attends, excusez-moi, j'ai une petite douleur à la mâchoire. Putain. Ça m'arrive de temps en temps. Désolé. Ah, la mâchoire qui claque, c'est pas très beau, tout ça. Je déteste quand le jeu, il fait, il y a plus qu'un bruit, tout d'un coup on entend un... C'est flippant as fuck. Bon. J'en étais sûr. Je te vois. T'étais pas censé me foutre la paix, toi, à la base? Je vais pas capturer pour de bon. Yes. Bien fait pour toi, bien fait pour ta pomme, bien fait pour ta gueule. Allez. Viens me battre. Viens me battre. Allez. Yes. Aléatoirement, j'appuie un peu de façon aléatoire. En plus. Ok. Ok. Voilà. Tu me fous la paix. Il me semblait qu'on l'avait capturé définitivement. My bad. Ok. Là, on en est à combien? 33 000. Ok. C'est pas encore ça, mais on les aura. On aura les 36 000. Et là, je pourrais avoir de plus en plus de points facilement. Donc, techniquement, après avoir tué ce fantôme, je pense qu'on devrait avoir la paix ici pendant un certain temps. Ou un temps incertain. L'un des deux. Rien du tout. Rien de rien. Putain, sérieux, c'est la dèche niveau objet. Waouh. C'est affolant. Sincèrement. Allez, je vais aller par là. Je vais retourner par là. Ibi. Et la salle des masques aussi, qu'on pouvait aller fouiller. Ok. Bon. Ils ont mis un peu de dynamisme dans les lampes qu'on percute. Ok. Bon, allez. S'il vous plaît, dites-moi qu'il y a juste un petit item. Un tout petit. Genre une petite plante. Une plante ou nette. Qui restera même pas un quart de vie. Oh. Merde. Oh Gata, on a fait. J'ai photographié, ok, d'accord. Bon, laissons tomber, c'est pas grave. S'ils ont envie de remettre des fantômes qu'on avait déjà photographiés, ça fait des points en plus. C'est l'essentiel. Oh yes, merci Ogata. Tu m'as donné des points qui me manquaient. Bon là c'est parfait. On a la puissance au max de notre appareil. Là. Dites-moi qu'il y a quelque chose. Mais vous... Ah ! Ça brille, pierre spirituelle.
Encore? Ah, ok, t'es là. On va attendre qu'elle se lève. Voilà. Là, j'ai fait une magnifique photo. Ouais, yes. Bon. Il y a beaucoup plus de fantômes aléatoires que je ne l'imaginais. Ok, bon, c'est pas grave, ça me fait des points en plus. Bon. Prochaine étape, augmenter... vitesse. Alors, vu le peu de pierres spirituelles que j'ai, je vais me centrer sur sur la puissance de l'appareil. Augmenter. Non. C'est plus grand chose à visiter normalement. Ok, ici. Oh. Attendez un instant. Ouais, yes. Ça c'est cool. Ok. Démon aveugle. Ok. Simuler quelques cas. Bon. Tac. On va déjà aller au hall d'entrée. Ah là là. Putain, mais l'ambiance de ce jeu est oppressante as fuck. Je peux pas y accéder. Fuck. Bon, bah j'irai après. Je sais comment y accéder facilement, donc... pas grave. Ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce bruit? J'aime pas du tout. What the fuck? Oh putain! Qu'est-ce qu'il fout là celui-là? Qu'est-ce qu'il fout là? Ok. Pareil, Ok, toi... je vais pas prendre de pincettes sur toi. Aïe, putain! Tiens, on va fuir. J'aime pas spécialement fuir, mais bon.
Merde, c'est vrai que... Putain, mais... Elle grouille, putain. Ok, ici, ce sera... Déjà mieux, ok, bon, putain. La vache, putain. Mais... Allez, la porte. Merci. Bon. En espérant qu'il me foute la paix définitivement. Ok, il y avait un objet au fond. Ici. Ok. 37. Ok. Bon, ok, on peut fuir. Si je crois celui-là, franchement, je fuis à chaque fois. Hein. Je réfléchirai pas. 36 000 ans. Est-ce que... Qu'est-ce que je prends? 37. Ou 74. On va voir ça. Hop. Ok, alors toi... On va rien se fouler. Manqué, mon gars. Voilà. Je vais pas perdre trop de temps avec toi. Parce que tu me fais chier. Voilà. Bye bye, bonsoir. Bon débarras. Oui. Écrit du prêtre. Je crois que j'en ai oublié un d'ailleurs près de l'atrium. Le rituel a échoué. La malice s'est déversée sur le miroir. Le maître en a perdu la raison. Qui aurait pu imaginer que la calamité s'abattrait? Tout est fini maintenant. Impossible de dire ce qu'il se passera si l'on ne trouve pas un moyen de sceller cette porte avant qu'elle ne s'ouvre complètement. Comme tu le dis. Bon. Le dernier, c'est par ici. Alors. Alors. Ah oui, on a un mot de passe déchiffré. J'avais déjà fait 13-12. Et lequel? Oh putain! Le casser! Encore toi! Putain, franchement, ça me fait chier! Ah, oh, c'est le visage! Mais putain de merde! What? What the fuck? Tue-moi.
C'est un gangbang. C'est un putain de gangbang. Un gangbang de fantômes. Putain de merde. Ok, toi tu es mort. Ok. Toi tu es mort. Soin, 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 soin. Chier. Ok. Toi. Je m'en fous. Je m'en fous. Tu crèves. Est-ce que vous avez vu le putain de gangbang qui s'est passé là? C'est... What? What? Jamais, jamais de la vie dans ce putain de jeu, c'est la première fois que j'ai une situation de ce type. Like, what? J'ai zéro pierre spirituelle, il me reste plus que 3 soins. Enfin, 4 si on compte... Est-ce que j'ai encore... Au sacré. Oui, 3 soins. Je pense que ce chapitre, je vais le recommencer. Je vais le recommencer. Il y a de grandes chances que je recommence ce chapitre. Depuis le début. Donc franchement, je garde la sauvegarde du début du chapitre. Âme, malice, âme est perdue. 1, 3, 4, 5, 6, 7, ce serait pas ça. J'ai une bonne mémoire, c'est déjà ça. Putain. Ok. Non mais là, sincèrement... Je crois que le plus malicieux, c'est SCP Containment Reach en termes d'ennemis. Parce que non mais là, sérieusement, le Wombo Combo. What the fuck. Ok. Bon. Sachant qu'on a un troisième... un dernier prêtre à avoir. Ils ont inversé certaines traductions, par contre. Je viens de remarquer. La traduction qu'on vient d'avoir, c'est la traduction qui aurait dû y avoir... la phrase qu'on vient d'avoir, c'est la traduction qui aurait dû y avoir dans le précédent... Je t'avais. Okay, non, vous savez quoi? Non. Je t'ai eu. Je t'avais eu. Hein? Qui était dans mon cercle. T'étais dedans. Ouais, bien, vas-y. Allez. Hey. Ok, je me casse. Là, ça devient un vrai survival horreur. Là, ça devient un vrai survival horreur. Putain de merde. Ah, mon Dieu. Maintenant, s'il y, y avait un passage où j'ai gaspillé 3 pierres spirituelles pour rien. Putain. Putain, je l'ai encore dans le cul.
Voilà. Oh là là! Putain, je ne me souvenais pas que ce jeu m'avait mis les nerfs une seule fois. J'ai maintenant la conviction que la décision de notre maître était de la mauvaise. Kerie a compris que nous avons caché l'invité. Elle est déprimée et anxieuse. Le jour du rituel approche. Je prie pour que tout se passe bien. Ouais! Moi, je prie pour que vous me foutiez tous la paix maintenant. Ok. Bon, on va voir ici. Même si je pense que je vais me faire agresser, encore une fois, pour la énième fois, par deux fantômes qui vont me faire un gangbang. Allez-y, servez-vous. Venez. Oh, c'est lequel, maintenant? Oh, c'est eux. Oh, putain, mais non. Voilà. Voilà, allez hop. Pas le temps, mon esprit est ailleurs. Puis je sais, c'était une référence de merde. Enfin, pas une référence de merde, mais plutôt. C'est facile. Ok, toi, je vais essayer de t'avoir plus. Voilà. Ok. J'ai combien de points maintenant? 11 000 et quelques. C'est combien le cercle de capture augmenté? 24 000, ok, j'ai même pas la moitié. Très bien. Qu'est-ce que ça va être ici? Oh! Oh! Eh, s'il vous plaît, rien ici. Ok. Juste ça, c'est bon. Décaminé, c'est bon, c'est parfait. C'est dans la boîte. Maintenant, si je pouvais avoir un retour tranquille, juste sans qu'il y ait rien ni personne. Mais je suis absolument sûr que dans ces putains de couloirs, j'ai encore avoir des putains de fantômes. J'ai juste envie de vacances. Au bord de la mer. Avec rien ni personne. Non, c'est pas possible ça? Hein? Non, faut que j'aille chercher mon frère. Qui est paumé dans ce manoir. Moi, j'étais bien avec les fantômes style... coup brisé, l'homme attaché... Ils étaient très bien ceux-là. À la limite, un ou deux autres, c'est plutôt bien. Mais là, vous me foutez des trucs. Mais je me demande, mais vous voulez psychologiquement ma mort, en fait. J'ai aucun souvenir comme quoi j'avais eu autant d'emmerdes dans mes premiers runs avant. C'est la première fois que j'ai autant d'emmerdes. À moins que j'ai vraiment une très 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 mauvaise mémoire. Il y a eu quoi? Une update Et quoi? J'ai acheté la version, enfin... Non, parce que c'est le même jeu, j'ai pas revendu et racheté derrière. Non, c'est... C'est passé quoi, là? Quelqu'un qui est venu la nuit, qui m'a inséré
Kima, je suis famille des données plus difficiles, je trouve des excuses de merde. Bon, allez. Je rentre dans l'atrium. Moi, tout ce que je veux, c'est un peu de paix. D'amour et d'eau fraîche. C'est pas trop demandé. Bon. Allez-y, foutez-moi un nouvel ennemi ici. Je m'en fous. Allez-y, frappez-moi de toutes vos forces. Kyrie se comporte bizarrement depuis qu'elle a rencontré le jeune homme. Je n'ose croire qu'elle est attirée par lui. Si elle devient trop attachée à ce monde, à cause de lui, elle risque de perdre ses qualités de vierge du sanctuaire. Nous devons agir vite. Ouais. Bon. En tout cas, on a de quoi débloquer tout ceci. Alors. Faut que je regarde les photos. Alors. Non, c'est pas ça. Dossier. Non, c'est pas celle-là. C'est pas ça. Ah, d'accord. Alors, celui-là... Wait. Ok, d'accord. Ok. Alors, celui-là, ça va être long. Je suis vraiment désolé. Ok. Ok. En gros, c'est simple, une fois qu'on a pris les photos, c'est bon. Ah! Forcément, il manque quelque chose. Ce serait trop simple. Qu'est-ce qui manque? Alors. Où est-ce qu'on a trouvé ça? Oh, chouette. Des traces de sang qu'on doit suivre. Alors... Wait. Wait a minute. Wait a minute.
Laisse-moi revoir un peu. Ok. D'accord. Ok. Jusque là, je suis. Ok. Très bien. Oh putain. Ils sont là tous les trois, c'est ça? Ok. Quoi, tu crèves. Il y en a un là, le deuxième il est là, d'accord. C'est bon. J'ai plus à me soucier de toi. C'est du passé, n'en parlons plus. Le dernier, il est là-bas. On va attendre sagement sa venue vers moi. Très bien. Aïe, putain. Fuck. Ok, donc on va... Voilà. Encore un peu de temps. Ah, 16 000, ok. Ah non, c'est 24 000, pardon. Ok. Toujours comme du sang le long du couloir en bois, ok. Ils y étaient déjà. Donc où est-ce que cela va nous mener? Par là, ok, d'accord. Sauvegardons en premier. Parce que là, je sens la merde. Mais incroyable, mais d'une force. Je ne le sens absolument pas. Ok. Par là. Oui. Ah, ça va être génial. Oh mon Dieu. Du sang. Oh, c'est toi. Aïe, putain. Ok. Alors toi, tu plaisantes pas, donc du coup, je vais utiliser du type 74.
Fichier au sacré. Ah oui, c'est vrai. Ok. What? Okay, viens me battre, viens me battre. Ok. Allez, viens. Essaye. Viens pour voir. Ok. Au moins t'es mort. Oh putain, merci. Saut du maître, parfait. Très bien. Bon, je vais ramasser les objets qu'il y avait ici. Tant qu'à faire. Est-ce que j'ai vu un objet briller ? Eh ben putain. Ce chapitre m'aura mis dans tous mes états. Genre dans tous mes états. On est vers la fin du jeu et vous me remettez des films de type 14. Très bien. Chef de famille, très bien. Ouais, c'est bien. Je vais retourner vers l'entrée parce que c'est le dernier endroit que j'ai pas visité. Et puis, je verrai bien s'il y a un objet. Oh putain. Oh, il y a deux trucs qui brillent ici. Une 674 au sacré. Oh putain, merci. Oh. Bonté divine, je vous remercie de votre clémence. Oh oui! Qu'est-ce qu'il y a ici? Pierre spirituelle, oh merci. Tout est bon à prendre. S'il vous plaît, faites qu'il y ait un objet, juste un ou deux. Un ou deux objets. Je demande rien de plus. Oh oui! Plante médicinale. Merci. Je vous remercie de votre clémence. Dites-moi que oui, il y a autre chose. Je me dis 37, mais c'est bien. Vous êtes gentil. Quand vous voulez, vous êtes gentil. Ah mon dieu, après le fort, le réconfort. Bon, allez. On retourne vite au point de sauvegarde. Et on arrête cette vidéo là, par contre. J'arrête, ça suffit les émotions pour une seule vidéo. Ça me suffit. Il y a chance de sortir un. Une nouvelle carte mémoire. Comme ça, je peux sauvegarder. En paix. Et s'il vous plaît, faites que j'ai juste un retour tranquille. Je veux juste ça. Qui est parfait. Très bien. C'est bien. Quand le jeu est calme comme ça, j'aime bien. Mais je suis sûr, il va m'enculer quelque part. Je sais qu'il n'attend que ça. Allez. Là, je suis en mode... Dans ma tête, je suis en mode... S'il vous plaît, qu'il se passe rien. Il faut qu'il se passe rien. Il faut qu'il se passe rien. Il faut qu'il se passe rien. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Oh, je sais pas. Yes. Yes. Yes.
S'il vous plaît, laissez-moi aller au point de sauvegarde. On va s'arrêter ici, merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, elle était éprouvante. Mais genre... Ce gangbang de fantômes... Dans la petite salle... Mais... Bon. On est en bonne voie pour terminer le jeu, c'est pas grave. Merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, laissez un petit j'aime, un commentaire, ça fait du bien. N'hésitez pas à partager le let's play s'il vous plaît. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez, merci encore et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!